Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Alors, c'est quoi? C'est un marque-page et en même temps, un étui pour nos lunettes, un crayon, de quoi prendre note. On peut glisser à l'intérieur. Je vais vous expliquer pour les trois tailles. Après, vous pouvez maîtriser. Dès que vous comprenez comment ça se fait, c'est très facile. Alors, je dirais qu'il mesure dans les 14 cm. Pour les deux, hein, car j'ai fait le même nombre de rangs. Après, pour le départ, j'ai fait 11 mailles et là, j'ai fait 14 mailles. Pour la bande, on peut maîtriser. On peut la faire longue, on peut la faire courte quand il s'agit d'un petit livre. En même temps, en travaillant cet étui, j'ai eu une idée de placer, en fin de compte, de faire la bande un peu large et de placer de bout en bout une quand on a un nombre de pages. Vraiment un volume comme ça, je pourrais fermer. Et quand je suis au début où le nombre de pages n'est pas vraiment important, je peux fermer sur le deuxième bouton. J'ai expliqué à la fin de la vidéo aussi qu'on peut utiliser ce genre de crochet, placer plusieurs ici et un seul là pour se déplacer. À chaque fois, si on avance, dans la lecture, si on voit que je dois me déplacer d'un crochet, je le fais. C'est une très bonne idée. Sauf que, ou bien mettre des boutons de pression. Et là, j'avais un paquet, comme par magie, il a disparu. On a besoin d'un bouton de pression ici pour fermer le rabat. On peut aussi ne pas faire le rabat. Je vais vous montrer. Très agréable. Alors, pour celui-là, avec 11 mailles, et je ferme, et j'ai mon livre de poche avec moi, avec mes lunettes. On peut glisser aussi, je ne sais pas où j'ai mis le crayon. Voilà. On peut glisser aussi un crayon. Et de quoi marquer aussi le livre. Même chose ici. On peut placer notre crayon, nos lunettes, de quoi noter aussi. Et je ferme avec le petit bouton. On a besoin, je dirais, entre 20 et 30, tout dépend de la taille. Du marque-page, on a besoin de 30 grammes de fil seulement. Pour cet ouvrage, je vais prendre un coton qui se crochète alors entre 2 et 4. Moi, je vais prendre un crochet numéro 3. Alors, vous pouvez travailler ça avec de la laine ou bien avec du coton. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot. Je vais monter 11 mailles en l'air. Vous allez faire le nombre de chaînettes selon la largeur désirée. Vous pouvez faire 11 mailles en l'air ou bien 14 ou bien 17. Ce sera plus large. Mais moi, pour un petit livre, après, on peut maîtriser la taille de ce marque-page ou bien de cet étui. On va faire 11 mailles en l'air. Alors, c'est le même travail pour toutes les tailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 et 11. Je rajoute 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens compter 1, 2,
3. Dans la quatrième, je fais 2 brides dans la même maille. C'est ma première. Encore. Et ça, c'est la deuxième. Et avec les 3 mailles en l'air qu'on a sautées, on a au total, on va les compter comme une première bride, on a au total 3 brides. Une bride sur chaque maille. On va travailler la base. Une bride dans chaque maille. Jusqu'à arriver, je vais ouvrir un petit peu ma pelote. Jusqu'à, je pense que j'ai fait, voilà. Jusqu'à arriver à notre dernière maille. Alors, il me reste la dernière, je dois serrer ça. Voilà, il me reste la dernière maille. J'ai au total, alors c'est 3. Après les 3, j'ai 1, 2, 9 brides. Dans la dernière, je vais faire aussi 3 brides pour pouvoir tourner comme on a fait au début. 3 brides dans la dernière maille. Je reviens de ce côté. Alors, on a travaillé sur celle-là. On va sur la suivante. Je tourne mon travail comme ça et je viens sur la suivante. Je reprends une bride individuelle dans chaque maille. Dans les mailles qu'on a travaillées ici, de ce côté. Une bride individuelle jusqu'à arriver à la fin. Sur chaque bride, plutôt sous chaque bride, je fais une bride jusqu'à terminer. Et là, c'est la dernière avant la maille où on a fait, là, c'est la dernière avant la maille où on a fait les 3. Si on va compter nos mailles, on va trouver 20, nos brides, on va trouver 24 brides. Alors, 3, 6, 9, 24 brides. Je vais aller directement ici sur les 3 mailles en l'air, sur la troisième, et je fais une maille coulée. Et c'est ça notre premier rang avec 24 brides. Là, je les fais un peu plus petits. Celui-là est avec 14 mailles. Et là, c'est avec 11 mailles. Tout dépend du livre. Mon deuxième rang. 3 mailles en l'air. Je viens là où j'ai monté mes premiers, les 3 mailles en l'air, où j'ai fermé dans le rang précédent, dans cette maille, la même maille. Je rajoute 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Maintenant, on va sauter 1, 2. Dans la troisième, je fais aussi 3 brides. On va sauter 1 et 2 dans la troisième. On va faire 3 brides. Un et deux
dans la troisième, trois brides, jusqu'à terminer le deuxième rang. J'arrive à la fin, alors c'est le dernier groupe de trois brides. On va sauter 1 et 2 et on vient fermer là sur les trois mailles en l'air. Alors, 1 et 2, ça c'est une maille coulée. On vient là et on pique dans la première maille des trois et je ferme. Et c'est ça mon, je dirais, la largeur de mon étui ou bien mon marque-page. J'ai dans à peu près, je dirais, les 6,5 cm. C'est idéal pour une paire de lunettes ou bien tout simplement un crayon et de quoi marquer aussi les pages. Mon troisième rang. 1, 2, 3. Je vais directement dans l'espace. Je vais sauter les trois brides. Et dans l'espace, je vais faire trois brides. 2 et 3. Je saute les trois. Dans l'espace, je fais trois brides. Une, deux et trois. Encore une, deux et trois. Jusqu'à terminer le rang. Dans chaque espace, trois brides. Je suis vers la fin. Alors, on a commencé avec les trois mailles en l'air. Ils remplacent la première bride. Dans cet espace, je vais rajouter seulement deux brides. Une et deux. Je viens là sur la troisième maille et je ferme. Et là, quand je ferme, j'ai mes trois brides. Mon quatrième rang, il va ressembler au troisième. Seulement, quand on va commencer, on ne va pas commencer comme le troisième rang. Du moment qu'on est du côté de l'espace, je fais trois brides et dans cet espace, je rajoute deux. Une fois, je termine avec deux brides et une fois, je travaille les trois mailles en l'air plus deux brides. C'est vraiment très facile. Et je continue dans chaque espace, je fais trois brides. Je suis à la fin de mon quatrième rang. Je termine dans le dernier espace, les trois brides. Une, deux et trois. Je viens là sur la troisième. Je pique la troisième maille et je fais ma maille coulée. On va répéter. Alors, les rangs se ressemblent. On va répéter le troisième rang. Ça veut dire, au départ, je fais seulement, quand je suis après l'espace, je fais seulement trois mailles en l'air. Et je vais directement dans le prochain espace. Et je fais trois brides. Dans chaque espace, je vais faire trois brides jusqu'à terminer le rang. Quand on arrive ici, du moment qu'on a fait déjà les trois brides, on va faire seulement dans le dernier espace. On a fait trois mailles en l'air, pardon. On va faire
Dans le dernier espace, seulement 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Et là, on va se retrouver comme dans le quatrième rang. On va se retrouver à côté, ou bien l'espace vient avant, ou bien après. Oui, après. On va faire directement 3 mailles en l'air et 2 brides dans l'espace. Et on va continuer jusqu'à avoir 13 rangs. Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je pense que c'est 13. J'ai mal compté. On va compter les groupes de 3 brides. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waouh! Oui, on va compter à partir d'ici et on va monter jusqu'à faire 13 rangs. Après, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, car on sait que si vous voulez cacher un crayon, le crayon est plus lent, mais moi je vous conseille 13 rangs, c'est l'idéal. J'ai terminé mes 13 rangs. Alors, je compte à partir du deuxième rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais essayer ma paire de lunettes. Et voilà. On va faire maintenant le petit rabat. J'ai terminé ici. J'ai fermé. Je vais me déplacer sur les deux ici avec des mailles coulées. Je veux me déplacer jusqu'à l'espace. Et une. Alors je suis là, je vais faire ça. 1, 2, 3. Je viens. Dans cet espace, je rajoute 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, j'ai 3 brides. Dans le suivant, 3 brides. Le suivant, 3 brides. Ça, c'est mon premier rang. Alors, ça sera comme ça. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air et on tourne notre travail. On va directement dans l'espace et on fait 3 brides. Une, deux, et 3. Le suivant, 3 brides. Sur les 3 mailles en l'air du rang précédent, je vais piquer sur la troisième maille et je fais une bride. Ça, c'est mon deuxième rang. Mon troisième et le dernier, 1, 2, 3, je tourne. Alors, dans le premier espace, là on a fait 3 mailles en l'air dans le rang précédent et on a travaillé directement dans l'espace suivant. Dans cet espace, je rajoute 2 brides. Avec les 3 mailles en l'air, on a 3 brides. Cet espace, 3 brides. Le dernier, 3 brides. Une maille en l'air et je coupe le fil. Et voilà. Là, on vient de terminer le rabat.
On passe maintenant et on va faire ces bandes pour l'attacher. Sept mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va sauter la première dans la suivante. Une maille serrée à côté. Une deuxième, jusqu'à faire 6. 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon premier rang. 6 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première, une maille serrée à côté. Une deuxième, jusqu'à faire 6 aussi. On reste sur le nombre 6. Et on va faire plusieurs rangs. Alors, les bandes, tout dépend de la hauteur du livre. Peut-être que je vais faire dans les 15, 14, 15 cm, mais sinon c'est par rapport. Ben, on vient là, on pose notre étui et je vais faire la bande. Je dirai, on va donner les mesures exactes, car on va l'attacher ici. Je dirai, je vais faire ça. Je vais ouvrir mon livre. Après, on peut prendre plusieurs pages comme ça, car on peut jouer avec la place du bouton. Je dirais, pour ce livre, je vais m'arrêter à peu près dans les 11-12 cm. Alors, j'ai terminé la première bande. J'ai fait 12 cm sur celle-là. Après, une idée m'est venue, je vais vous dire. Celle-là, elle est dans les 15 cm. On peut faire les deux bandes dans les 15 cm. Ça, c'est la première. Et là, on va créer la boutonnière. Alors, je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je vais travailler deux mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Alors, ici, une à côté. La deuxième. Trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens, je saute 2. Dans les deux dernières, je fais deux mailles serrées individuelles. Un dernier rang. Je tourne, je fais une maille serrée sur la maille serrée, une deuxième. Dans l'espace des trois mailles en l'air, je fais seulement deux mailles serrées, c'est pas la peine de faire trois. Et sur les deux dernières, deux mailles serrées individuelles. Une maille en l'air et je coupe le fil. Et on vient les coudre ici. Alors, j'aurais pu faire celle-là aussi 15 cm, mais je me suis rattrapée sur la deuxième. On peut les faire de la même, on peut travailler les faire de la même longueur. Je viens là et je commence la couture. Je vais prendre la première bande, celle qui est un petit peu courte. Alors, je viens là. On a commencé ces trois rangs pour le rabat. Je vais venir ici, sur cette partie. Je vais placer comme ça la bande et je vais tout simplement coudre. Tout simplement. Alors, je n'ai pas fait de nœud, alors je vais tenir un petit peu mon fil. Après, je vais le coudre, le faire rentrer, le coincer dans les mailles. Et je fais une petite couture comme ça. Et voilà. Je viens là.
Je reviens ici et je bloque mon fil. Je fais un nœud. Et je le bloque sous les brides, je le cache. Et je coupe le fil. Je fais de même pour celui-là. Je le coince dans une maille. Et voilà, je fais un nœud et je le cache. On passe et on coud celui du bas. Je tourne la boutonnière vers le haut. Je viens et je le pose comme ça, au niveau des mailles du premier rang. Comme ça. J'ai laissé du fil quand j'ai commencé. Je vais de prendre à peu près entre ces deux-là, prendre comme ça. Et je vais prendre seulement les mailles du premier rang, seulement ce côté. Faut pas prendre la pochette, hein, toute la pochette, seulement ce côté. Je suis en train de suivre. Alors là, c'est pas la même position que le dernier rang, c'est le troisième rang qui correspond au dernier rang. Je fais tout ça et je fais un nœud, je glisse le fil pour le cacher. Et voilà. Je cache ce fil aussi. Va profiter pour cacher tous les fils. Même chose, je le glisse dans les mailles. J'essaie de le glisser comme ça. Sans trop déformer le dernier rang. Et voilà. Je prends maintenant mon livre. Je viens là, je positionne mon étui ainsi, je prends quelques pages et je place. Alors, l'idée, c'est on peut placer un bouton ici et on peut placer un deuxième là. Pourquoi?
Car en avançant dans la lecture, le volume des pages va augmenter. Quand je fais ça, alors une, elle sera là, une, elle sera là. Une, elle sera ici. Une, un peu. Je saurai que, bien, je pourrai à chaque fois déplacer la fermeture du moment que j'ai deux boutons. J'ai terminé de coudre les deux boutons. Alors, on va essayer comme ça. Et j'ai fait le petit cœur. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos pour le petit cœur. Alors, quand je prends quelques pages, je suis ici, je ferme. Et quand je me déplace, je vais me déplacer sur l'autre bouton. Aussi, on peut utiliser des boutons à pression. J'en ai pas. Normalement, j'en avais. J'arrive pas à les trouver, car il me faut un bouton de pression ici pour fermer. Ou bien, on peut, si vous voulez pas des boutons, ça va être trop gros pour le livre, mais bon, ça dérange pas. On peut utiliser les, comment on les appelle? Des crochets en métal pour vêtements. On peut mettre comme ça. Alors, le crochet ici, plusieurs crochets, j'enlève ce, j'ouvre, je vais mettre un crochet, deux, trois. Comme ça. Et là, je vais juste coudre l'autre côté pour à chaque fois fermer. Après, il y a plein d'idées. Alors, il me faut un bouton ici pour fermer. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre étui, votre marque-page. J'espère que vous aimez aussi. Et on se retrouve la prochaine fois avec un nouveau tuto.